Les gars, voilà, j'ai récupéré du jeu Super Nintendo, Super Nintendo. Ça peut m'arriver, écoutez, c'est pas monnaie courante, je préfère les versions japonaises. Mais quand j'ai une licence, que j'aime bien la licence, alors Star Wars, donc les jeux LucasArts. Voilà, donc celui-là, je l'avais en japonais. C'est la même jaquette, donc ça, évidemment, elle est dans ce sens-là. Et là, sur le cover japonais, c'est l'artwork qui est représenté entièrement. Là, non, mais regardez l'état de cette boîte. On dirait qu'il est neuf, il est mint, le chez mint. C'est absolument incroyable. On peut encore choper des jeux Super Nintendo. Donc là, c'est une version, donc pour les fanas des versions, version FAH. Voilà, tout simplement FAH, comme indiqué dans l'angle. On va vérifier ça avec la cartouche. Donc regardez, de la petite cale. Il existe différents modèles de cales, j'ai l'impression. Parce que des fois, il y a des cales où c'est vraiment au centre le trou pour mettre la cartouche. Donc là, la cartouche, bien sûr, avec le code FAH, en excellent état. Franchement, elle est A+, de chez A+. Bon, j'ai déjà nettoyé le jeu, évidemment. Par contre, je n'avais pas la notice. Voilà, ça, c'est des choses qui arrivent. Il est incomplet. C'était le prix à payer, apparemment, pour l'avoir en bon état. En très bon état. Donc c'est un jeu assez difficile, donc là je ne vais pas forcément vous parler du jeu, je parle plus de l'aspect collection. C'est un jeu très difficile, mais très plaisant, très beau, pour peu qu'on insiste un peu. Voilà, donc ce petit Super Star Wars. Hein. Je suis toujours content de partager avec vous mes petites rentrées Super Nintendo. Ah, et si en plus je le mets dans un boîtier cristal, alors là il va avoir l'air plus que mint. Regardez ça, c'est trop satisfaisant. Là, 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 il a sa gomme, les tout petits défauts qu'il y avait, on les voit plus. C'est ouf, les gars. Allez, on va vérifier si ce petit Super Star Wars Super Nintendo fonctionne. J'ai déjà placé l'adaptateur Fire en bas. Allez, c'est parti. C'est parti. Et ça fonctionne. Merveilleux adaptateur que ce Fire. Puisque c'est une version Super Nintendo. Allez, c'est parti mon kiki. Allez, go, go, go. Allez, on va voir si le jeu tourne. Qu'est-ce qu'il était dur ce jeu. À noter qu'il y a les ennemis respawn en permanence et qu'il y a plein d'objets cachés dans le jeu.